gouvernement ne nous a pas encore tout dit. Oh, pardon. Et il y a eu aussi la le jambon avec Samira et Christophe Jacqueline. Plus simple pour l'entretien des femmes de ménage. Samira, et c'est important d'en parler, il y a le chèque pour 100 000. On va se parler. Occasion, pourquoi pas, d'aller goûter dans un restaurant d'altitude, Peintureau et Salom. Mais d'abord, la publication ce matin du bilan des saisies de la douane en 2013. Regardez quelques chutes au Julie Postolec. Bilan des saisies rendu public aujourd'hui. Je reviens une seconde à l'affaire des écoutes. Ce n'est pas François Hollande, c'est Jean-Marc Ayrault qui a parlé tout à l'heure d'enfumage. C'est ma langue qui a fourché. Et Christophe, autre chose. On a appris. Non. J'ai pas bien compris ce qui se passait. Allons-y. Alerte aux orages maintenue, je vous le rappelle, pour cet après-midi dans 11 départements. Champomis, la capitale finalement. Jean-Pierre Foucault qui adore, vous le savez. À propos de touristes, ceux qui ont choisi la Côte d'Azur pour Pâques n'ont pas conditions extrêmement difficiles. En tout cas, nuit, on a eu une nuit mouvementée. Ça, c'est avec Gilles Boulot. Top. Page spéciale avec Caroline Henry. Je vais rapporter un petit cadre. TD, Caroline. Il ne vous a pas échappé que c'est mercredi aujourd'hui et qu'au lendemain de Mardi Gras, car il fait froid. La situation n'a pas bougé. Un calme toujours tendu en Crimée. L'occasion pour nous de revenir à Kiev. Oh, le haricot de Paimpol. Et puis autre série, un grand bol d'air dans quelques refuges et auberges. Il y avait Nadal. Autre jeune femme, elle sort un nouvel album en ce moment. Le premier Tal, 23 ans, un talent immense. Et c'est pas dans les rues qu'on lance les disques, bien sûr. C'est au-dessus dans la montre. Le journal, vous l'avez remarqué, un peu plus court que d'habitude. Et on salue tous les connards qui sont nombreux.